Gérard Carayol. Sophie Le Coadou. Samuel Willum. Et Denis Ferreur. Vous allez maintenant pouvoir jouer au juste prix qui vous est présenté par Philippe Risoli. Merci beaucoup. Bonjour à tous, bienvenue. Ah, non, il n'y a rien. Il n'y a rien, on va chez vous, on dit je voudrais rien, quoi. Ouais, rien voilà. du tout. Ouais. Très bien, Samuel. Denis, bonjour. Bonjour. Vous êtes quoi, vous? Je viens de Melun. Qui est qui? Bonsoir, mais qui est qui? Qui est qui? Eh bien, à vous de le deviner ce soir avec Martin Cheraki qui nous vient de Paris. Allez Martin, bonne chance. Également Christiane Quentin qui nous vient de Florentin. Bonne chance Christiane, on l'encourage. Et Cécile Faou qui nous vient de Paris. Bonne chance Cécile, elle est là Cécile. Et la beauté, c'est toujours une bonne nouvelle. Et notre bonne nouvelle de ce soir, c'est Marie-Ange Dardy. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. J'ai l'impression que tout va bien, le public à la pêche. J'espère que vous, à la maison, vous êtes en pleine forme. Et puis j'espère surtout que les trois ravissantes dames qui seront avec nous dans un instant et les trois charmants messieurs auront la pêche pour affronter les terrifiants défis de... Et je vous présente tout de suite le charmant monsieur qui a fait son entrée avec nous, qui s'appelle Jean-Claude Cor, qui lui aussi est un grand marcheur. Pépita, expliquez-leur, ils font trois tours de piste, c'est ça? D'aller le plus rapidement possible, jusqu'au bout, revenir en marchant, pas en courant. On y va? Trois tours de piste, on est trois d'accord tours. Je signalerai le dernier tour. C'est parti! Allez, Nathalie! Allez, Nathalie! Ah, c'est la vraie marche! Oh là là, quel déhanchement! Ah, beau virage pris, elle attend toujours pas Nathalie, alors que le candidat essaie de la doubler sur le dernier virage. Attaquer le dernier tour, oh là là, il a doublé! Alors que Nathalie avait une sérieuse avance, maintenant ça va être terminé pour elle, elle ne remporte pas cette course! Malgré cette marche très chaloupée et très réussie. À vous de voter dans le public, à vos boîtiers, convaincus, pas convaincus. Oui, mais le chaloupé et le déhanchement n'est pas ce qu'on vous demandait de tester. Mais c'est ce que je regardais, moi, Marie-Ange. Oui, je m'en doutais. Est-ce que vous avez aussi regardé les chiffres du public? 58% du public semble convaincu par la prestation de Nathalie. Hein, pas mal. Alors, il paraît que vous êtes... Oh là 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 là. José est donc le roi des pickpockets et il a des trucs pour dévaliser ses victimes. Je précise que ça sert à la police comme adjoint, pardon, madame, sûr. Je peux vous demander... Attendez, prenez le plan. Oui. Comme ça, voilà. Voilà, vous le tenez. Je sais quoi, je non, 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 non. Vous allez me dire, pour aller à Saint-Ouen, quel est le meilleur système pour aller à Saint-Ouen? Alors, attendez. Saint-Ouen. Saint-Ouen? Bah, attendez, si vous voulez... Non, non, Saint-Ouen. Saint-Ouen? Vous êtes sûr que c'est dans la région parisienne? Oui, mais il faut mettre le plan à l'endroit, hein. Ben, il est à l'endroit, a priori, Saint-Ouen, mais je suis pas vraiment... Non, là, comme ça, pas de problème. Non, tenez, non, prenez le plan comme ça. Non, vous tenez là, à deux mains, à deux mains. À vos boîtiers, convaincus, pas convaincus? C'est la question que tout le monde se pose, convaincu ou pas convaincu. 87% Marie-Ange. Et 87% Marie-Ange du public est convaincu de la prestation de José. J'étais en train de vérifier si j'avais bien tout sur moi, si on m'avait rien piqué. On finirait par avoir des doutes, hein. Alors, joueur de golf ou joueur...
public. On a vu le nez à 3,50 m. 3,50 m. Et qu'est-ce que vous avez entre les mains, donc, hein? Un putter. D'accord. Oh là 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 là. Ah, vous pouvez le retenter. Retentez-en une, donc, Patrick. Mais concentrez-vous. Oui. Oui, sur ce terrain vous idéal. Vous pourriez pas me faire pousser un peu d'herbe, là, pendant... On a semé il n'y a pas longtemps. C'est la première fois qu'on voit un green bleu, me souffle-t-on. Va-t-elle y aller? Elle y va. Ouais. À vos boîtiers dans le public, convaincus, pas convaincus, votez. Merci pour cette... Voilà, on vous présente, elle s'appelle Hortense.